Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode sur la chaîne Mrs. Entrepreneuriat. Dans cette vidéo, on va parler de comment investir tes premiers 1000 euros. La plupart du temps, quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou quand on se lance dans le business, quand on veut investir, on commence avec un capital relativement bas. Et beaucoup se demandent comment maximiser le retour sur investissement si je débute avec un capital bas. Et l'une des principales limites, l'une des principales pensées limitantes qui se lancent ou qui veulent se lancer, c'est de se dire j'ai forcément besoin d'avoir 10 000 euros, 100 000 euros. Un capital est assez important pour commencer à investir, ce qui n'est absolument pas le cas. Tu peux commencer avec un capital très bas, mais avoir un taux d'investissement déjà considérable en l'espace de quelques mois. Et si tu sais comment investir, dans quoi investir. Bon, c'est le but de la vidéo, on en parle. Si c'est la première fois que tu découvres la chaîne, je suis Jolie des Mathieu, sur la chaîne des entrepreneurs. Je partage avec toi un contenu qui est censé t'aider à devenir un meilleur entrepreneur et à tout simplement améliorer tes investissements, à mieux gérer tes finances, également tes investissements. Bon, si tu n'es pas encore abonné, sois-tu de t'abonner en sur le gros bouton rouge en bas. Et si tu es un abonné fidèle, merci de me regarder. Je suis trop contente de te revoir. Alors, comment investir ces premiers 1000 euros, ces premiers 1000 dollars si tu es justement en Amérique? Je vais répondre avec deux volets. La première chose que tu fais avec 1000 euros, 1000 dollars justement, c'est d'avoir une partie de cette somme-là qui est placée dans ce que j'appelle l'investissement personnel. D'accord? Beaucoup de personnes se lancent dans des business parce qu'ils ont appris que tel business avait le vent en poupe. Ils se disent, ah, d'accord, on investit également dans le même business que un ami, une amie, un frère, une cousine, j'aurai le même retour que la personne. Et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles beaucoup qui se lancent heurtent justement à des pertes d'argent, à une frustration également, une perte énorme en temps. Tu veux investir uniquement dans des domaines que tu comprends et dans les domaines dans lesquels tu as une formation basique. Ça ne sert à rien de se précipiter, de vouloir tomber sur ce qui semble être l'opportunité du siècle. Si tu n'es pas même de véritablement comprendre comment le business fonctionne, comment se font les retours, comment te protéger en cas de si quoi que ce soit arrivé. J'aime bien dit qu'on a tendance à penser que l'entrepreneur c'est celui-là qui investit dans le but, qui prend des risques dans le but d'avoir beaucoup d'argent, et ce n'est absolument pas le cas. Un entrepreneur qui aura du succès sur le long terme sera quelqu'un qui prendra des risques calculés afin d'avoir un retour derrière. Donc je veux toujours te demander, est-ce que l'investissement sur lequel je suis en train de faire, est-ce que je le comprends? Et parce que l'une des façons les plus sûres de minimiser le risque quand tu prends en investissant, c'est justement en comprenant ce dans quoi tu investis, en t'assurant que tu as une formation basique, que tu comprennes vraiment ce dans quoi tu investis. Donc je dirais déjà, si tu as 1000 euros pour commencer, 1000 dollars, prends au moins 30%, 40% de la somme que tu es sur le point d'investir et investir dans la formation. Forme-toi non seulement en te formant, tu comprendras mieux ce dans quoi tu es en train d'investir, mais également tu seras à même de multiplier cet argent-là beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui n'a pas eu la formation basique. Donc tu veux ici commencer en t'assurant que le domaine dans lequel tu choisis d'investir, c'est un domaine qui te passionne un temps soit parce que tu auras du mal à être constant et à être persistant, surtout si c'est un domaine qui te passionne. Donc vraiment commence par choisir un domaine qui te passionne, et une fois que c'est fait, te documenter déjà, commence à te que soit lire des bouquins, regarder des vidéos, mais idéalement tu investis dans la formation. Prendre quelqu'un qui a déjà appris, qui a déjà maîtrisé, qui a montré pas ses résultats, qui maîtrise le domaine sur lequel tu es sur le point d'investir, et afin de t'apprendre la personne là, ça permettra justement d'accélérer la résultat que tu auras, mais également aussi d'éviter de faire des erreurs basiques de débutant. Je me rappelle en 2016 quand j'ai lancé en 2017, une des premières raisons pour lesquelles j'ai eu un échec total, c'est justement parce que je ne m'étais pas formée et j'ai perdu un an et demi pratiquement et des milliers d'euros. Donc je te conseille fortement, si tu as 1000 euros, prends 20 à 30% de cet argent pour te former. Une fois que c'est fait, je donne ici trois idées business, trois secteurs dans lesquels tu peux investir avec un tout petit peu de capital. On parle ici de moins de 1000 euros, autour de 1000 euros, et avoir des résultats intéressants dans les années qui suivront. J'aimerais te rappeler également, quand tu investis, c'est important d'être patient et de ne pas se dire ok, je vais investir aujourd'hui, avoir des retours demain. Vraiment être patient, avoir vraiment la vision sur le long terme, parce que les business que je partage avec toi ici, requiert que tu sois patient, requiert également que tu sois déterminé, que tu aies vraiment une envie de réussir. Voilà. Donc, le premier business donc sera d'investir dans le commerce. Le commerce est la façon la plus rapide, la façon la plus immédiate même de se faire de l'argent. Que tu réussis en Europe, en diaspora ou en Afrique, ça vaut, le conseil vaut pour toi. Donc, dans le commerce, si tu vas dans la diaspora, que ce soit en Europe ou en Amérique, tu peux commencer avec le dropshipping par exemple. Tu peux vendre des produits sur eBay, sur Etsy, sur Facebook Marketplace, acheter ces produits-là dans différents magasins à des prix relativement bas et les revendre ensuite en ligne. C'est ce qu'on appelle du dropshipping. Tu peux également commencer avec un fournisseur qui est en Chine. Un peu plus intéressant, tu peux commencer avec un fournisseur qui est en Chine et acheter des produits, ou du moins commander des produits et les payer uniquement lorsque tu as quelqu'un qui commande ici. Donc, la chose intéressante avec le dropshipping, c'est que tu as forcément un capital relativement bas pour te lancer.
parce que tu n'achètes même pas d'inventaire, d'accord. Et même dans le cas où tu achètes des produits, par exemple, tu vas dans des magasins qui ont des discounts, des offres spéciales, et que tu prends, tu vas des parfums, des vêtements, des produits qui ont une forte demande, et tu les revends ensuite en ligne. Et pareil, si tu es en Afrique, indépendamment que tu sois au Cameroun, au Togo, au Sénégal, c'est pareil, tu peux justement encore ici acheter des produits et les revendre sur le marché. J'ai fait une vidéo récemment sur la chaîne dans laquelle je parle avec toi exactement comment lancer le business et le capital, les différentes étapes pour marketer les clients. Je la laisserai en lien dans la description. Le second business auquel tu peux penser, c'est celui de l'achat des terrains. C'est vrai qu'à la plupart du temps, quand on pense à acheter un terrain, on se dit que ça va me prendre beaucoup d'argent, des dizaines de milliers d'euros. Et ça dépend vraiment d'où tu achètes le terrain. L'idée que j'ai ici pour toi serait d'acheter un terrain dans une zone vraiment reculée. On parle ici des zones, des périphéries de grandes villes. Ce sont les zones encore où le mètre carré se vend vraiment moins cher. Et on sait aujourd'hui qu'avec le taux de croissance en Afrique qui est extrêmement élevé, les villes sont en train de s'élargir de plus en plus en termes de construction de ville. Donc, si tu prends un terrain qui est à, je sais pas, 50-100 km de la ville, bien que ce soit un terrain qui sera relativement reculé, soit un terrain qui sera dans une zone qui n'est pas fortement habitée, c'est vrai qu'au moment où tu l'achètes, ça pourra ressembler à une forêt, mais tu vas te dire, tu vas avoir la vision sur le long terme justement et te dire à quoi ressemblera la situation géographique dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, d'accord. On investit vraiment sur le long terme, on investit en se disant, ok, d'accord, c'est l'investissement que je fais aujourd'hui, mais je me projette en fait sur le long terme et me dis, ok, à quoi est-ce que, à quelle sera la valeur de l'investissement dans les années à venir. Donc ici, c'est justement l'achat de terrain. Et l'idée, c'est justement investir sur le long terme. Tu peux investir si tu as autour de 1000 euros. Tu te dis, ok, je prends le terrain, je prends 500 mètres carrés à pratiquement 1000 francs, 1500 francs le mètre carré. Tu peux ainsi avoir déjà un bien immobilier que tu as et tu le laisses là sur le long terme. L'idée ici, c'est de ne pas te dire, ok, je vais commencer à construire, je vais commencer à faire de l'agriculture, qui sont, bien que ce sont des moyens de créer, de générer de l'argent également, mais ce sont des moyens qui requièrent un capital plus important. Donc, vu qu'on est sur une stratégie ici qui nécessite un tout petit peu de capital, on va se focaliser sur justement l'achat du terrain uniquement et le laisser poser tranquillement. Et on est sûr que dans 5, 10 ans, 15 ans, le terrain, la valeur du terrain sera inestimable. Et là, donc, ce sera donc ici la seconde idée business. La troisième idée business que tu, dans laquelle tu peux investir avec 1000 euros, c'est investir dans les crypto-monnaies. C'est vrai que la crypto-monnaie, c'est un secteur, un seul véhicule de création de la richesse qui effraie beaucoup de personnes, parce que beaucoup de personnes ne prennent pas vraiment la peine de s'informer, de s'instruire avant d'investir. Mais c'est justement l'un des secteurs qui fera pas mal de millionnaires, de multimillionnaires, même dans les années à venir, pour ceux qui savent se positionner présentement. Et l'intérêt d'investir dans les monnaies digitales, comme la crypto-monnaie, vient justement du fait que on a le lancement du métaverse qui se fera dans les années à venir, du moins dans quelques années seulement. On a des groupes comme Facebook, comme Microsoft, comme Google qui sont en train d'investir des dizaines de millions d'euros afin de voir le projet se développer, voir naître. Mais on a également la nécessité pour beaucoup de personnes ensuite d'avoir accès à un moyen d'échange qui est décentralisé. Jusqu'ici, principalement, on a la banque comme intermédiaire entre différents individus qui veulent faire des transactions financières en ligne. Mais la beauté avec justement la crypto-monnaie ou avec les monnaies digitales, c'est que on peut échanger sans forcément avoir un intermédiaire de façon à travers le monde. Et je pense que l'un des plus gros intérêts à investir dans la crypto-monnaie, même de façon assez prudente, je dirais, c'est le fait que une fois que ton argent, l'argent qui est en banque, en fait, perd de la valeur. Donc, si tu as 1000 euros en banque et que tu le gardes en banque, un an après, les 1000 euros ne valent plus vraiment 1000 euros. Tu as perdu au moins 1% de non seulement des frais que tu payes à la banque, mais également sur l'inflation. D'accord? On se rend tous en compte que le prix des articles devient de plus en plus croissant. Donc, il est important de trouver un moyen clair d'investir l'argent qu'on a afin d'avoir un retour sur investissement derrière. Et la crypto-monnaie, c'est justement un investissement non seulement qui est passif, mais qui a également un retour sur investissement phénoménal. Pour beaucoup de personnes qui se lancent, hein, ou qui hésitent entre peut-être la crypto-monnaie et investir dans le marché de la bourse, si tu as besoin d'avoir une vidéo qui parle de ça, laisse-moi savoir en commentaire, parce que j'investis justement dans ces deux véhicules. Et je pourrais te faire une vidéo qui te parle un peu des avantages et des inconvénients d'investir dans la crypto-monnaie par rapport à investir dans le marché de la bourse à travers les actions ou les index funds. Maintenant, le quatrième business que tu peux lancer avec 1000 euros seulement consiste à devenir un freelancer. Un freelancer, c'est quelqu'un qui transmet sa connaissance et qui est payé en échange de la connaissance qu'il a obtenue. Donc, ce que tu peux faire, c'est par exemple prendre un cours, prendre une formation qui t'explique une compétence particulière. Et une fois que tu as une compétence, cette compétence qui est particulière, une compétence qui est requise énormément sur le marché, tu peux justement commercialiser cette compétence-là. J'ai fait une vidéo sur la chaîne dans laquelle je parle avec toi différentes compétences que j'appelle des high income skills, qui sont des skills. Quand je, high income skills sont des, veut dire, compétences bien payées en français. Et c'est tout simplement des compétences qui peuvent te permettre de gagner
10 000 euros ou plus par mois uniquement grâce à la compétence d'elle-même. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas un job, ce n'est pas un boulot que tu auras. Non, c'est une compétence que tu as et que tu échanges sur le marché en échange de l'argent parce que tu es payé très généreusement parce que le problème que tu résous est assez pertinent, il est assez pressant. Des exemples de high income skills incluent le copywriter, quelqu'un qui écrit dans le but de persuader, de vendre, le high ticket closer, quelqu'un qui persuade des personnes à acheter leurs produits à travers l'art de parler. Bref, quand on parle de high income skills, ont des high income skills justement qui te permettent d'avoir un bon montant à la fin du mois sans forcément avoir à travailler, sans avoir un boulot classique. Tu travailles de la maison, tu travailles avec tes propres heures, mais tu as un revenu de 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros par mois, dépendamment de comment tu travailles, comment tu gères ta clientèle. J'ai fait une vidéo justement sur la chaîne dans laquelle je partage avec toi comment acquérir des différents clients en tant que freelancer, comment à choisir dans quelle niche te lancer comme freelancer. Je laisserai toutes ces vidéos également en commentaire en bas. Là, le cinquième business comme ça que tu veux lancer. Et ce que j'aimerais dire à propos du quatrième business qui est celui de devenir freelancer, c'est que on a une ère où beaucoup d'entrepreneurs, en fait, se sont rendus compte avec, grâce au Covid ou à cause du Covid, de l'importance d'avoir leur business en ligne. On a beaucoup plus de personnes aujourd'hui qui se rendent compte de l'importance des réseaux sociaux, de l'importance d'avoir des publicités sur Facebook, sur Google, d'avoir un site web qui est optimisé. Et tous ces différents besoins d'entreprise font que nous, entrepreneurs, on a une opportunité justement de se faire de l'argent si on maîtrise les compétences qui sont recherchées sur le marché. Et c'est justement comme ça que je me suis lancé comme entrepreneur. Justement, j'ai commencé comme étant freelancer avant de lancer par la suite mon agence de marketing. Donc, je recommande fortement à des personnes qui se lancent avec un tout petit peu de capital. Je me suis lancé avec moins de 500 euros et aujourd'hui, je génère plusieurs milliers d'euros en ligne grâce à mon business. Donc, je conseille vraiment à des personnes qui sont prêtes à se lancer et qui ont tout petit peu capital d'investir déjà sur la formation, de se former elle, de comprendre dans quel domaine elle est en train d'investir, de cultiver vraiment une passion pour ce dans quoi on est sur le point d'investir. Parce que si tu es passionné par ce que tu fais, sera beaucoup plus facile pour toi d'exceller, d'apprendre, de t'entourer de personnes qui vont te motiver, te pousser à l'action. Par contre, si c'est ce que tu fais uniquement pour l'argent, tu auras du mal à être consistant, tu auras du mal à vraiment aimer ce que tu fais. Et au final, l'objectif, aussi bien que c'est de gagner de l'argent, mais c'est également d'aimer ce qu'on fait, de se lever tous les matins, excité d'aller au travail, de travail justement. Et si tu choisis un business que tu n'aimes pas, pour lequel tu n'es pas passionné, ce sera très dur pour toi de rester constant et persistant quand les choses deviennent difficiles. Donc je te recommande fortement de choisir déjà un domaine que tu aimes et qui a également le vent en poupe. C'est vraiment les deux clés Ce sont les deux clés que tu veux avoir afin de maximiser les retours derrière. Donc, voilà quatre idées business que tu peux lancer avec 1000 euros et qui auront un retour impressionnant si tu es consistant, si tu as la vision sur le long terme et surtout si tu as même d'investir sur toi d'abord pour commencer afin d'avoir les résultats derrière. Je pense que c'est Warren Buffett qui le disait encore. Il n'y a rien de plus coûteux que l'ignorance. Si tu imagines que s'éduquer coûte cher, imagine un peu combien te coûterait d'être ignorant. Donc, si tu es vraiment encore sur le point de te lancer, de devenir entrepreneur, d'entreprendre, commence par te former. Et donc, j'aimerais te laisser avec une citation qui m'a parlé énormément. C'est celle de savoir, les personnes intelligentes apprennent de leurs propres erreurs et les personnes sages apprennent des erreurs des autres. Donc, j'espère que tu es quelqu'un de sage et pas d'intelligent forcément. Et c'est la raison pour laquelle souvent les personnes qui ont beaucoup étudié sont celles qui travaillent et qui ne sont pas forcément entrepreneurs parce qu'elles veulent, elles ont ce sentiment de, je connais ce que je fais, je n'ai pas forcément, et elles n'ont pas le sentiment d'humilité qui est nécessaire pour réussir comme entrepreneur. Si tu veux réussir comme entrepreneur sur le long terme, tu dois comprendre qu'il est important de t'entourer de mentors, de t'entourer de coachs, de t'entourer de personnes qui ont fait ce dans quoi je suis sur le point d'investir et d'apprendre d'eux. Et beaucoup de personnes encore voient la formation comme étant un échec. Ils se disent, ok, si j'investis dans la formation, ça veut dire que je ne suis pas assez intelligent pour découvrir moi-même comment faire ce sur quoi je suis sur le point d'investir. Et j'aimerais tout simplement te rappeler absolument pas. Tu dois penser à ton business comme étant une entreprise. Tu dois penser à ta personne comme étant une entreprise. Si tu es une entreprise, si tu es sur le point d'investir dans une entreprise et que tu te rends compte que l'entreprise n'est pas en train de croître, tu te rends compte que l'entreprise n'est pas en train d'investir sur elle-même. Si tu es sur le point d'acheter des actions d'une entreprise, tu te rends compte que, ok, l'entreprise sur laquelle je suis sur le point d'investir a une projection de croissance relative basse. Forcément, tu n'investiras pas dans l'entreprise en question. Et pense à ta personne comme étant une entreprise. Et au final, le retour que tu auras sur ton business sera proportionnel à l'investissement que tu as fait sur ta personne. Donc, priorise toujours te former, priorise toujours. Et quand je dis se former, ça peut être à travers des livres, des séminaires, des conférences, des workshops, des vidéos sur YouTube, justement, des vidéos éducatives, ou des mentorships, des coachings, des programmes de coaching ou des formations en tant que telles, des cours, justement, qui t'apprennent la compétence sur laquelle tu es sur le point de te lancer.
Et une fois que c'est fait, tu seras non seulement d'accélérer ta croissance, tes résultats, mais aussi d'éviter en temps, en frustration, et également en je sais pas trop, en traumatisme. Parce que quand tu commences un business, c'est que tu tombes, tu te casses le nez, ça te traumatise vraiment. À un moment donné, tu peux te dire, écoute, je suis un mauvais entrepreneur, ça ne marche pas pour moi, je n'y arriverai jamais. Alors que le problème, c'est que tu n'as pas su quoi ne pas faire, et tu n'as pas su quoi faire concrètement afin d'avoir le résultat que tu visais à obtenir. Et dis-toi encore quelque chose, c'est que si quelqu'un a réussi dans le domaine sur lequel tu suis le point de te lancer, ça veut dire que tu as la capacité de réussir également. Si quelqu'un lance un business qui génère des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros par mois en faisant un domaine qui te passionne, ça veut dire que toi également, si tu lances un domaine en question, tu seras même d'avoir des résultats similaires à la personne si tu as la persistance, l'éthique au travail, la persévérance et surtout la constance de ces personnes-là. Donc voilà un peu comment je te conseillerais d'investir des 1000 euros, comment commencer. J'espère que tu auras eu la valeur. Si ça a été le cas, sois sûr de partager la vidéo avec quelqu'un que ça pourrait aider, parce qu'au final, partager, c'est la meilleure façon de montrer qu'on a de l'attachement, de montrer qu'on a de l'amour pour les autres. Je dis toujours, sharing is caring. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je te retrouve au prochain épisode d'ici là. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Allez, bye bye.